Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Magic Duels Origins. Et oui, nous sommes de retour, une fois de plus, dans l'émission verte, dans la quête du vert, la quête de la nature, de la forêt, des animaux et de la nature. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Voilà, donc, nous sommes dans les quêtes de la couleur verte. Nous avons fait déjà la première. Nous allons faire donc la deuxième. Alors que vous approchez des montagnes d'Akum, vous sentez la terre trembler sous l'effet de la magie primaire du blanc. Il s'agit du Rouli, la manifestation du mana brut des Zendikar. Vous êtes happé avant même de pouvoir réagir. Et on va se le faire. Et oui, on va se le faire. Il va souffrir, il va mourir, il va être broyé par ma puissance incommensurable. Pardon. Oh là là, je m'emporte, je m'emballe. C'est à croire que je suis un cadeau. Je sors. Je vous laisse. À plus tard. Non, c'était une blague bien pourrie. Oh, elle est bien cette main, mais il n'y a pas cette main là, mais je la garde. C'est à mon tour, c'est à mon tour. Un terrain. Et toi? En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va très bien. Ça va très très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Le terrain enchanté est une créature bleu, élémental, avec le vol. C'est toujours un terrain. Quand le terrain enchanté meurt, renvoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Ok. Ben vas-y. Donc, c'est une créature de deux vols. Soit. Terrain. Hop. Et hop. Mais il est engagé. Engagé, donc je peux attaquer. Ah, tu es sur le point de mourir, le roulis. Je dis ça comme ça, mais on est encore loin, hein. On a le temps de voir venir. C'est elle qu'il me faut. Encore un roulis. Encore un Zendikon devant. Et là, je vais me prendre 2 points de dégâts dans les dents. Aïe aïe aïe, oh non, même pas. Ah, c'est assez problématique. C'est pas grave. Je vais, comme qui dirait, attaquer. Pourquoi j'attaque pas avec elle? Ben simplement parce que sinon, ça va faire. Et elle va mourir. J'ai pas envie qu'elle meure. Par contre, s'il y a moyen que lui bloque avec ses super terrains, ce qui l'empêcherait d'avoir trop de mana et donc ce qui le mettrait bien en retard par rapport à moi. Est-ce qu'il va attaquer? Il ne va pas attaquer. Et attends, il a que ça ou quoi? Il a que ça dans sa main? Ça risque de ne point aller hein, si tu commences à faire que ça. Hibou! Des tempêtes. Alors, une 1 de vol pour 2. S'il a que des créatures volantes, ça va être assez pénible. Quand le hibou des tempêtes arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, engagé jusqu'à il a pas été kické. Le kick, en fait, il faut payer son coup de kick, et à ce moment-là, ça fait un effet supplémentaire. Hop. Alors, bien. Par contre, j'ai toujours pas assez de mana. Que puis-je faire? Je vais pas te jouer toi maintenant, ça servirait potentiellement à peu près à rien. Quoique, il y a que elle de dégager, une 1 de vol, alors je vais faire tout fait. Je confirme. Est-ce que tu vas bloquer? De toute façon, même si tu bloques, ce n'est pas grave. Hop là. Tu ne bloques pas, c'est tant mieux pour moi. Oh là là. Je sais pas ce qui m'arrive. Hein. Là, aujourd'hui, je sais pas. Je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui, je vais recommencer à tourner. Parce que, donc, comme je vous l'avais dit vous n'avez pas encore vu. Oh mon dieu. Oui. Mais à 14. Il a osé.
Eh ben tant mieux. Hop là, moi je fais ça. Et puis, je vais commencer par te mettre toi. Tour suivant, je vais te mettre toi. Puis après, je ferai toi et toi. Ça ferait pouf 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 les points. Si, enfin, pouf pouf. Confirmé. Une fois que j'aurai joué toi et toi, moment-là, lui, ça fera aussi pouf 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 pouf. Donc il aura plus envie d'avoir une carte pour bloquer elle. Alors bloquer, oui, toi, tu vas bloquer un terrain, on va dire. Toi, je confirme et je te ah. Et j'ai pas de mana pour bloquer. Donc là, ça me fait qu'un. Hop, je suis à 9. Il me remet encore un machin pareil. Il en a 4 sur le terrain. Il a tous les 4 sur le terrain. Donc il ne peut plus rien faire. Enfin, il ne peut plus en sortir deux. On va dire ça comme ça. Un terrain? Ce n'est pas un terrain. Hop, ce n'est point un terrain. C'est dommage. Là, il a quoi? Il a 9 points de vie. Il a. Une créature, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S'il bloque une 2, 2, ça va être assez. Par contre, je suis à 9, donc ça fait. Lui, il va pouvoir me tuer au prochain tour. Ou pas. Par s'il bloque. Je vais te mettre toi. On va tenter. De toute façon, je vais attaquer avec. Je vais attaquer avec eux. Ça, ça. Je confirme l'attaque. Elle pour bloquer. Elle parce que de toute façon, ils vont pas la laisser passer. Il y a 5. Va attaquer. Attaque avec tout. Il attaque pas. Il attaque pas. Et je n'ai pas de terrain. Je vais faire ça. Toi, et toi. Et toi. Le premier toit, il n'a pas voulu passer. Hop. Et maintenant, que vais-je faire? 1, 2, 3, 4, 5 créatures. 1, 2, 3, 4, 5 créatures. Alors lui il va en détruire une, lui il va en détruire une, lui aussi, lui il va pas être mort, et lui il risque de mourir. Ça fait 1, 2, 3 créatures des détruites. Je vais pas attaquer avec toi. Attaquer avec toi et toi. Toi et toi. Je vais attaquer avec ces trois-là, je dirais. Si, il bloque pas tout, ben à ce moment-là, voilà. S'il bloque tout, à ce moment-là, il en aura 3 de mortes. Alors, hop, je regarde, nous sommes à 8 minutes 50 bientôt d'enregistrement. Tac avec toi, toi et toi. Je confirme l'attaque. J'attends. Donc ça, donc toi tu vas tic-tac-toc. Là il va être détruit par deux, il y en a un des deux qui va mourir. Il va te jouer toi sur toi. Voilà. Et donc là, il lui en reste que deux. Il va pas pouvoir me tuer à ce tour-ci. Est-ce que tu attaques? Tu n'attaques pas. Bien. Et maintenant, pif, paf, pouf. Hop. Toi en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire. Qu'il est à 5. On va faire. On va
va te faire toi. Non, on va te... Terrain. Oh, là, j'ai quoi? Là, j'en ai deux. Gagner des points de vie ou faire des dégâts? Oh, bah tiens, je le finis. Est-ce que je fais ça sur toi, contre toi, et pif, paf, pouf, dans les dents. Et puis je fais phase d'attaque. Phase d'attaque. Tout le monde attaque. Et en avant, s'il bloque lui, il se prend 5. S'il bloque les autres, il se prend plus. Merci, au revoir. Et voilà, j'ai éclaté le roulis. J'ai éclaté le roulis. Et oui. Alors que le roulis se retire, la terre devant vous se mue en créature. L'élémental s'approche de vous, la tête basse. Vous sentez qu'il ne vous veut aucun mal. Le lien que vous établissez avec lui vous fait comprendre qu'il vous guidera jusqu'à Akum. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ces trois-là ont déjà été tournés. J'ai tourné ces deux-là en dernier. Voilà, mais là, pour la petite explication. En tout cas, j'espère vraiment... je vais la refaire, hein, parce que c'est mieux de comprendre ce que je raconte. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Le petit pouce rouge, on l'oublie. Hein, c'est toujours mieux les pouces bleus que les pouces rouges. N'hésitez pas à mettre un commentaire, c'est super. À vous abonner, c'est très chouette aussi. Au plus vous êtes, au plus vous êtes. C'est très bien. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter avec le nom Jenklos Nizuma, écrit de la même façon que sur YouTube, mais en un seul mot, bien entendu. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir de voir que mon travail vous plaît, enfin mon travail, que ouais, mon hobby, que les vidéos que je tourne vous plaisent, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de matinée, après-midi, journée, soirée, nuit, quel que soit le moment où vous avez regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!